Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Alors, pour cette suite de Zelda Breath of the Wild, voilà. Donc, on est reparti tous ensemble. La dernière fois, on tentait de trouver un sanctuaire près d'une plage, près des plages sud d'Hyrule. Alors, on n'était pas ici d'ailleurs. On était là. Voilà. Exactement ici. Alors, on l'entend. Mais pour l'instant, on le voit pas. Qu'est-ce que c'est que ce petit pont de bois ? Korgou. Équipé. J'ai pas de flèche normale, alors on va se servir de celle-ci. Ah, ok. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Merci bien. Sympa à toi. Ah. On est tout proche. Où est-ce qu'il est ? Je vais peut-être monter un petit peu le son du jeu. Un relais. Très bien. Je crois qu'on est plus proche que jamais du sanctuaire, mais il est où ? Là, je m'en éloigne. Là, pareil. Ah, est-ce qu'il serait pas derrière, là ? Et si ! Parfait. Sanctuaire de Sai Uto. Trouver un équilibre. Pourquoi ?
Ok, c'était facile. Une épée soldat. Ok. Je rappelle que je vais continuer l'aventure Zelda Breath of the Wild et que je vais laisser en suspens Tears of the Kingdom puisque je fais les deux en même temps en ce moment et ce sera plus facile pour moi et pour vous de suivre une histoire après l'autre. D'autant que je ne connais pas l'histoire de ce jeu. Ce sera plus compréhensible aussi pour la suite. Voilà, voilà. Oula. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Ah d'accord. Non. Non, non, pas d'accord. Qu'est-ce que je peux faire ? Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Ok, donc... Si je vais vite. D'accord. Tout bête. Tout bête, tout bête. J'ai 8 emblèmes, donc je peux faire évoluer 2 choses. On va aller voir au relais. Est-ce que j'ai des chevaux en réserve? Hello. Salutations l'ami. Emmener un cheval. Gripoil, il est perdu. Et Pilepoil... Ok, il est là. Non mais pour l'instant on va se balader encore. Dis-moi, mon garçon, est-ce que tu as une carte? Dans ce cas, tu verras qu'au nord d'ici se trouvent les monts Géminés. D'après la légende, ils ne formaient autrefois qu'une seule montagne.
mais le dieu dragon l'a brisé pour se frayer un chemin, ce qui lui a donné cette forme si particulière. Certains racontent aussi, après avoir aperçu une ombre gigantesque ici même, sur l'eau du lac Faroria. Je me demande à quel point tout cela est vrai. Salut Terry. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Le lac Faroria et les flots qui s'y jettent dessinent selon moi une image parfaite. Mais en haut de la chute, on peut apercevoir quelque chose qui me faut qualifier de bizarre. Si tu gravis l'échelle avec une longue vue, tu pourras observer ce que j'ai aperçu. On va tout de suite observer ça. Il parle de ça, lui ? Je sais pas trop. De toute façon, on va aller jeter un œil. Hein. Il a piqué ma curiosité, le bougre. Si, mais je vais peut-être prendre un cheval, en fait. Tout compte fait, ce sera moins éprouvant pour Link. On mettra moins de temps aussi. C'est vrai qu'on peut les siffler. J'avais oublié ça. C'est terrible. La foudre ne cesse de tomber sur ce relais. Tous les soirs, je tremble comme une feuille dès que la pluie arrive. Dis-moi, pourrais-tu trouver la cause de ce phénomène? Merci. Je t'en prie. Peur panique de la foudre. Salut mon grand. Oula, calme-toi. Allez. Ah. Hello. Oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait pour me retrouver dans ce pétrin? Mais t'es qui toi? Mais non, ok. Heureusement que t'étais là. Le moins que je puisse faire, c'est de t'offrir une petite récompense pour m'avoir aidé. Tiens, et merci. Un élixir féerique. Ce remède curatif contient le mystérieux pouvoir guérisseur des filles et dégage un doux parfum sucré. Donc il guérirait 7 cœurs, c'est ça? Merci. J'en demandais pas tant. Ah, on a un autre sanctuaire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne là. Ouais. Moi je veux aller là-haut. Il n'y a pas de route directe. Il y a
Il va falloir qu'on grimpe, les amis. Ok, là on se planque. On a les fesses qui font bravo là. Allez. Oh, d'accord, ok. Warg. Hop là, viens là toi. Allez, parle-moi. À force de trimballer des spécialités du village d'Ekarai aux quatre coins du pays, je le connais comme ma sacoche. Par exemple, à l'ouest se trouve le lac Ilia, et aussi une forêt qu'on appelle la forêt de Firas. Mais ça suffira pour aujourd'hui, il n'y a pas écrit guide touristique là-haut. Jette donc un œil à ma marchandise, mon âne et moi avons sûrement de quoi faire ton bonheur. Tu admires le poisson le plus exquis et les fruits les plus délectables du village d'Ekarai. Je ne vends que le meilleur. Cool. Mais. Je n'en ai pas besoin. Non, merci. Alors. On va peut-être monter par là. Ouais. En plus, je me rapproche d'un sanctuaire. Ah mais par contre il pleut. Ce qui veut dire que l'escalade c'est pas envisageable. Oh, c'était quoi ça? Eh oui, ça glisse. Ça glisse. Vite, on profite d'une accalmie. À nouveau. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis ciblé par la foudre. Et non, là, ça s'arrête. Ah. Encore toi? Tiens, tu l'as pas volé, celle-là. Ciao. Je sais quoi, ça? Comment je fais pour l'éviter? Ok, j'ai failli trépasser. Un durian max. Non, bah on va éviter, hein. Mais je fais quoi, moi? Comment je fais? Comment je fais pour éviter ça? De toute façon, un coup de foudre et c'est terminé. Et ça continue encore. Comment je fais? J'ai l'impression que je peux pas aller ici.
Il est où mon cheval? T'es où, Ripoil? Viens. Ça fait flipper ici. Ah mais c'est lui, celui de tout à l'heure. Bon, je vais retourner du côté de la cascade. Ici, ah mais non, il pleut encore. Moi, ça m'arrange pas, ça. Non, mais t'es sérieux? Ah, là-haut, il y a un truc. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça y est? Là, je m'y attendais pas, par contre. Ok. Ah, ça me va, hein. Mourir. Ah. Ah ah ah. Ok, on est en bas de la cascade. C'est terriblement dangereux ici. Je vais tenter de grimper par là. À gauche. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Mais tu rigoles là? Je fais comment? Et voilà, on se paye ma tête. ouais. C'est pareil, je vais glisser. Hop.
C'est pas très accueillant comme coin, là. Peut-être faire une petite sauvegarde. Voilà, merci. En fait, je sais pas où aller. Il était où le relais ? Il est là. Et lui, il nous montrait. Ouais, peut-être là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'on arrive à grimper là-haut sur ce plateau. En plus, on n'a aucun point de téléportation. Ah oui, il faudra qu'on aille voir ce qui se passe ici, sur cette île. Ah, mais est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut y aller ? Enfin, faut trouver le moyen d'y aller, surtout. Île toute seule. J'aime bien. Île toute seule. Bien. Ouais. Hey ! On dirait que je suis bien ciblé, hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est des épées foudre. Ça attire la foudre surtout, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, et là, je suis bloqué. Je l'ai dans le baba. Ah, cette jolie musique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un dragon par ici ? Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Ah, je vais me faire foudroyer. C'est terrible. C'est terrible parce que je fais comment ? Je peux pas vraiment avancer. Dès que je rentre dans l'eau, je me fais cibler par la foudre. Ah non mais je vais mourir. Oh shit. Ciblage ou pas ? Non ? Non, pas tout le temps apparemment. C'est pas passé loin. Je sais pas comment je peux me protéger de ça. J'ai pas de paratonnerre. Il y a un kourougou là-haut. L'atteindre. Super. Je peux pas.
veux pas. De toute façon, il faut que je trouve ce qui se passe ici, là, parce que cette pluie diluvienne, ces éclairs qui nous tombent sur la tête, c'est pas vraiment normal. Est-ce que ce serait pas le dragon qui... Je sais pas, qui déclenche tout ça. Je sais pas. Je sais pas. J'ai bien peur que je finisse par tomber de la cascade. Non, c'est bon. Mouillé. Ah, je pourrais pas. Pourtant, il pleut pas. Ah là, ici, c'est bon. Excellent, je vais pouvoir aller voir le petit Korogu. Mais avant de descendre... On est vraiment pas loin du sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette table? Cette table géante. Je suis en train de me faire lapider. Ah non, peut-être à l'envers. Bah oui. Bah oui. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors toi. Toi. Ah, je t'ai pas eu. Je suis mauvais. Mais c'est mauvais. Que c'est mauvais. Ah mais d'accord, je te touche. Je touche tes rochers. Faut que je fasse attention parce que j'ai bientôt plus de flèches. Alors. Ou alors est-ce qu'il y a un rocher là-haut que je dois jeter pour déplacer cette dalle? Je sais pas, on va tester plein de choses. Ouais. Ah non, mais je peux peut-être... je sais pas. Je sais pas. Non. Génial. Absolument rien.
Ouais. Il y a un truc à faire, c'est sûr et certain. Et pourquoi tu t'en vas, toi? Super. Oh, bah il fait beau temps. Ça c'est chouette. Je vais peut-être pouvoir grimper. Alors on va voir si on peut y aller d'une traite. Allez, allez. Eh non, trop optimiste. On va éviter de mourir, hein. Voilà. Je crois que j'ai perdu un cœur dans l'affaire. Bon, je vais aller voir mon petit ami Korogu. Est-ce que je peux grimper par là après? Ah, je peux peut-être... Oui. Je vais faire ça juste après. Voilà. Et oui, c'est vrai, il faut le suivre, lui. Hop, et ici. Hello! Nom d'une feuille, tu m'as trouvé! À la rayure! Bien. On en aura fait de la grimpette hein, dans ce jeu. Et c'est pas terminé. Loin de là. Complètement raté. En plus, tu vas mourir, Link.
On peut rien te demander, hein, t'es vraiment pas fiable. Est-ce que tu peux le faire ? Je crois en toi, moi. Je crois en toi, Link. Allez, si je saute à la dernière seconde, là. Parfait. Ah, tu vois quand tu peux ? Et faites-moi voir où est cette dalle ? Elle est là. C'est pas toi que je voulais. Hey, c'est quoi ça? Quel est donc ce mystère enchâssé dans la pierre? Et là aussi... Salut mon coco. C'est quoi ces trucs? Mais qu'est-ce que ça est? C'est des cailloux? C'est juste des cailloux? D'accord. Oh, super. Ah, je peux pas le déclencher dans l'eau. Ouais. Alors toi, tu vas attendre 2 minutes. Voilà, t'es gentil. Non. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ok. Ça n'a pas vraiment bougé d'un pouce. Faut résoudre ce mystère là. Est-ce qu'il y a une réaction en chaîne qu'il faut déclencher? Parce que là, je sais pas. On va continuer à grimper.
axe. Ok. Bon, j'ai peut-être pas assez de cœur pour toi pour l'instant. Je reviendrai plus tard. On est toujours pas loin d'un sanctuaire. Ok, donc là c'est un linel, hein, c'est ça? Alors eux, c'est pas vraiment mes potes. La dernière fois que j'en ai combattu un, j'ai mis un moment. Je crois que j'ai mis une session entière, hein, j'ai mis une heure à le battre. Donc, lui aussi pareil, je vais attendre un petit peu. Après, c'était au tout début. Hein. J'étais pas encore très familiarisé avec les compétences de Link. Bon, peut-être que ça joue beaucoup ou pas, je sais pas. Ah, alors. Lac de Fazup. Donc, on arrive à ce lac-là. Ok, et après, on descend. Et moi, je vais aller de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs dans l'eau là? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ah, mais je peux les remonter, je crois. Non? Si! Et allez, hop, un coffre! $50. Ça, elle, je peux la transporter, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, ah non, oh. Je crois que je t'avais eu. Voilà. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah mais attendez, mais il y a un trou. Ah mais je peux pas plonger. Ah mais non. Je peux pas. Je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Alors. Utiliser ma prière à tout moment. Bah non. Attendez, je règle un truc sur le chat. Maintenant, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me dit. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Je passe à moi. Paramètres. Ouais. Chat, non, bah non, je veux pas. Non, ça non plus. Alors, je règle juste un petit truc pour le chat. Voilà, blablabla, blablabla. Personne ne t'en a.
Ouais, je comprends pas trop ça. D'accord. Bon, je verrai après. C'est bizarre, ça m'a changé un truc là. Mode lent. Ben non, moi je veux pas réserver aux followers là. Bon, je sais pas trop. C'est pas grave. On verra. Ah, ça y est, pleut à nouveau. Ah, mais attendez. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Est-ce que... Attendez voir. Est-ce que je peux me servir de... Et ça, je comprends pourquoi l'autre objet, l'autre rocher, est sensible à Cinétis et pas à Polaris. On va à la pêche en même temps. Ouais, bah j'ai pas encore compris, hein. Je fais très souvent ça. Me prendre l'onde de choc de ma propre bombe. Et ben voilà. Donc là, c'était pire moment. Voilà. Il faut pas traîner dans le coin quand il pleut en fait. Et là, si je descends la pente, j'arrive ici. Je suis sûr qu'on doit, je sais pas, se rocher, casser la dalle. Vous voyez la dalle de tout à l'heure? Si je l'emmène avec moi, je sais pas, je vais le laisser là. Super. C'est génial. J'ai perdu ma pierre. Ah, j'ai perdu mon gros rocher. Mais non, il est là. Allez, je vais aller voir en bas. Ok, donc une espèce d'île. D'accord. Il faut que je trouve le mystère de cet endroit. Look.
peux utiliser ma prière à tout moment. Thank you. Je prends un max de durian. Un max de durian max. Et c'est tout. Allez, tu vas y aller. Voilà, merci. D'accord, et bien. Alors, qu'est-ce qu'il me montrait, lui, tout à l'heure? En bas, là-bas, au relais. Ah, le pont. Le relais qui est derrière, il me semble. Ok. Là, on a le lac Corail. Peut-être ici. Je sais pas. Ah non, il pleut à nouveau. Il pleut à nouveau. Eh, mais c'est casse. Non, 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 non. Ah, je suis foutu. Ah non, je suis foutu. Comment on fait? Je te protégerai. Merci. Heureusement que t'es là, Mipha. Sans toi, je serais vraiment perdu. Avec ce mauvais temps et avec cette pluie, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Ouais. Oh, nous nous retrouvons, compagnon de voyage. Ouais. Cela me fait plaisir de revoir ton visage. Pour ma part, je vais bien. De la queue jusqu'au bec, mes plumes, heureusement, me gardent bien au sec. Ouais. Mon instrument aussi est, pardon, est fait d'un matériau conçu spécialement pour résister à l'eau. Quand on a une quête, avant de se lancer, c'est le genre de détail auquel il faut penser. J'essaie de faire le bruit d'un oiseau, mais en fait, on dirait plutôt un canard. Là où nous sommes en ce moment, perdure un de ses anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Allez, vas-y. Délectons-nous de tes belles paroles. Une épreuve est dissimulée au cœur du rocher escarpé. Ah, mais c'est ça. On a vu tout à l'heure. Ô toi, héros des temps anciens. Pour démontrer ton potentiel, invoque la foudre du ciel. Cela ouvrira le chemin. Une énigme est cachée dans ces vers, je le sens, mais la solution m'échappe entièrement. En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Merci, Cass. Et ben voilà ce qu'on cherchait en priorité. Vite, vite, avant de se faire totalement calciner. Ah.
Donc il faut j'attire la faut que j'attire la foudre, hein, c'est ça? Faut que j'invoque la foudre. Ah mais attendez. Absolument pas. Ok, au prix de ma vie, j'ai trouvé le sanctuaire. Hein? C'est génial. Il faut se faire foudroyer la tête pour pouvoir continuer. Non, il doit y avoir une méthode plus... Comment dire? Moins dangereuse. Voilà, je vais aller faire une pause d'à peu près 10 minutes. Ah, d'accord, je pensais que c'était un vrai sanctuaire, moi. En fait, le but, c'était de le trouver. Pantalon isolant. Voilà ça. Alors ça, on va vite s'en servir. Ah oui, vitesse de nage. Voilà, je vais m'en servir de ça. Ok. Et ça. Mais oui, mais qu'est-ce que je suis bête. J'ai l'armure Zora. Je pouvais grimper. Ah, mais quel bêta. Voilà, j'ai oublié. Ça faisait un petit moment quand même. Oh. Merci. Voilà, oui, donc j'ai disais, je vais faire une petite pause de 10 minutes et je reviens après pour une petite heure à peu près. Voilà, je vérifie juste une chose pour le chat. Non, 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 en fonction de la durée. Non, non, tout à fait. Bien voilà. Voilà, voilà. Oui, donc je disais, je reviens tout de suite. Je vais vous mettre un petit timer. Voilà. Et je reviens. Voilà. À tout de suite.